Real Madrid, le plan tactique très clair d'Ancelotti après la blessure de Bellingham. Blessé et sûrement absent pour une durée d'un mois, Bellingham ne pourra pas aider ses partenaires, mais Ancelotti a un plan et sait comment il va jouer. Le Real Madrid annonçait aujourd'hui plus tôt dans la journée que son numéro 5, Jude Bellingham, souffrait d'une blessure à la jambe droite. The Athletic rapportait dans la foulée que l'international anglais devrait être absent pour un mois. Un gros coup dur pour le Real qui a mal débuté sa rentrée en Liga en faisant nul sur la pelouse de Majorque. Pour pallier l'absence de sa star en milieu de terrain, qui évoluait dans un rôle de numéro 10, Carlo Ancelotti a un plan. Rodrigo à la place de Bellingham. Comme le rapporte Marca, c'est donc le nouveau numéro 10 du Brésil, Rodrigo, qui va endosser le rôle de milieu offensif, habituellement occupé par Jude Bellingham. Rodrigo devrait donc jouer en soutien de l'attaque. Devant lui, Mbappé et Vinicius se retrouveront tous les deux en pointe de l'attaque. Ancelotti se retrouve donc dans la même situation que la saison passée, sans numéro 9 seul mais avec deux attaquants et un 10 en soutien. Le Mister a plus d'un tour dans son sac. Mise en place de ce système dimanche à 17h contre Valladolid. Ancelotti éteint la tempête Rodrigo et prévient pour Mbappé. À deux jours de la réception de Valladolid, dimanche 17h, et une semaine après le piètre match nul sur le terrain de Majorque, Carlo Ancelotti répondait aux questions des journalistes espagnols à l'affaire, ou du moins le message, avait fait grand bruit peu de temps après le match nul sur le terrain de Majorque à l'occasion de la première journée de la Liga. En l'occurrence un message signé Rodrigo qui estimait qu'il méritait autant de considération que les trois stars offensives du Real Madrid, Mbappé, Bellingham et Vinicius. Il va faire un grand match, depuis, le message a été supprimé, et, surtout, Bellingham s'est blessé pour un mois, ce qui devrait donner un gros temps de jeu à Rodrigo. Conférence de presse, Carlo Ancelotti a éteint l'affaire. Je lui ai parlé cette semaine et je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose. Il m'a dit que le message n'était pas de lui. Il est heureux ici et se porte très bien. Il n'y a aucun problème avec lui. On connaît la qualité de Rodrigo. Il a très bien joué lors des deux matchs face à l'Atalanta et Majorque. Il m'a dit qu'il était très heureux. Il n'y a rien de plus à commenter. Le technicien italien a également fait passer un message au sujet de Kylian Mbappé. Que les critiques à son encontre cessent car le Français va vite être au rendez-vous. Ce dimanche sera un très bon match pour Mbappé. Il va faire un grand match et les fans vont vraiment l'apprécier.